Announcements, none. Papers have been laid. Question. Mr. Speaker, given that this the question addressed to the Minister of Health and Wellness, to ask the Dr. the Honourable Minister of Health and Wellness, whether in regard to the novel coronavirus detected in one city in the People's Republic of China, it will state A, the safety and safe security measures and surveillance system put in place the Republic of Mauritius has precautionary measures against any risk. B, the number of times the multi-sectoral team has met and when the rapid response team has started implementing its services. And C, the number of persons suspected of presenting the symptoms thereof who can be accommodated at the new Suyak Hospital. At the very outset, I wish to thank the Honourable Leader of Opposition for addressing his first private notice question on such a sensitive issue which has an international dimension and is of great concern of one and all. Mr. Speaker, sir, as the House is aware, over the past few weeks, the world has witnessed an outbreak of the novel coronavirus, and this has quickly escalated into a public health emergency of international concern with severe repercussions worldwide. Mr. Speaker, sir, this health-related threat should cut across party line. In reply to this PNQ, I seize the opportunity to inform the House and the public at large of the various measures which the government is taking as a direct response to the global threat. Mr. Speaker, sir, indeed, I reiterate that it is our duty and responsibility as a government to continuously inform one and all of the precautionary safety measures that are being implemented to protect our nationals in Mauritius and abroad. The objective is to circumvent the backlash of a potential psychosis that people would otherwise succumb to. Mr. Speaker, sir, I wish to emphasize that we have been at the forefront and we have acted proactively to ensure public safety and well-being. And I should reaffirm that we are fully satisfied with the emergency response and the degree of preparedness of Mauritius to face risk of a potential outbreak of the virus. I would wish to reassure the House that our response strategy has been developed in line with the recommendations of the WHO, World Health Organization, following thorough consultations with all the relevant authorities and stakeholders concerned. Mr. Speaker, sir, all throughout we have operated under the able guidance of the Honourable Prime Minister, who has chaired two inter-ministerial committee meetings to take stock of the prevailing situation and to take decisions as appropriate. I would also have to place on record the invaluable support provided by my colleagues in our coordinated effort and also the World Health Organization throughout its representative in Mauritius as regards the implementation of the recommendations outlined by the International Health Regulations Emergency Health Committee. Mr. Speaker, sir, as part of our overall response plan, we have also put in place a communication strategy to continuously inform the population through the media of the preventative actions taken by my ministry.
The objective is to galvanize all efforts and to ensure a concerted, proactive, and coordinated approach to effectively deal with this global health emergency and protect our population. All throughout, we have been guided by the need to be transparent, visible, and forward-looking in our approach. Mr. Speaker, sir, in regard to part A of the question, I wish to reassure the House that all the required safety, security, and surveillance measures have been reinforced by my ministry as soon as the first alert was reported by the Chinese authorities. For the benefit of the House, I am enumerating of some of the main measures already in force. Surveillance at Sir Sivasagar Rambulam International Airport. All passengers arriving from China are systematically being screened. Body temperature of passengers is taken individually in the corridor as they may disembark from the plane. Body temperature is again taken by the thermal detector at the public health desk. A dedicated desk has been set up at the public health counter for all passengers arriving from China. Public health inspectors inquire about the health status of each and every passenger arriving from China. Health declaration forms are being verified by the sanitary authorities at the airport. The airport medical post is on alert on a 24-hour basis. A dedicated and fully equipped ambulance service is on standby at the airport on a 24-hour basis to cater for any emergency. All healthcare providers at the airport are fully equipped with personal protective equipment. Furthermore, protective equipment is also available in case there is any need to transfer suspected cases to Suyak Hospital. Exit screening of body temperature is being carried out invariably for all passengers travelling back to China. Surveillance at the seaport. Mr. Speaker, sir, at the seaport, the following measures are in operation. Passengers travelling by cruise ships and private yachts are automatically subjected to body temperature check both on departure and arrival. The same measures are also applicable for staff members of cruise ships. Surveillance is being carried out for all crew members of cargo ships, including shipping, fishing vessels. Mr. Speaker, sir, in addition, all passengers traveling from China are invariably and systematically put on surveillance, quarantine, or isolation for a period of 14 days. These passengers are closely monitored. Mr. Speaker, sir, as regard to part B of the question, I wish to inform the House that a multi-sectoral team and a rapid response team have been in existence for more than a decade within the structure of the Public Health Division of my ministry. As such, following the outbreak of the coronavirus, the intersectoral team has so far met on two occasions. The rapid response team is, on the other hand, is on alert at all times. Mr. Speaker, sir, the House would wish to note that the two meetings were held jointly by my ministry and the Ministry of Foreign Affairs. Furthermore, the Secretary to Cabinet and Head of the Civil Service chaired a coordination meeting with officials of my ministry and the Ministry of Foreign Affairs to ensure a harmonized approach
by all stakeholders. Mr. Speaker, sir, furthermore, on Friday 31st January and on Sunday 2nd February 2020, the Honourable Prime Minister chaired two consecutive high-level meetings to take stock of the measures already enforced, as well as to take additional measures to contain the risk of the virus reaching our territory. During these two meetings, the World Health Organization representative in Mauritius reaffirmed that the measures being taken by the government of Mauritius are fully in compliance with WHO norms and standards. Mr. Speaker, sir, may I at this stage recall that in April 2019, government brought important amendments to the Immigration Act, Act No. 3 of 2019, to widen the definition of prohibited immigrant. These amendments were criticized by the then opposition, who considered them undemocratic and unfair. I wish to inform the House that pursuant to Section 8(1)(n) of the Immigration Act, the Honourable Prime Minister has the power to declare persons or persons or classes of persons are prohibited immigrants if their presence in Mauritius is likely to be prejudicial to public and health. This is the very situation in which we find ourselves with the public health emergency of international concern, which the novel virus represents. Unlike countries like Singapore, which had to enact regulation to deal with the public health emergency, this government, with the foresight of the Honourable Prime Minister, was ready. On 2nd January 2020, the Honourable Prime Minister, acting on reliable information and advice, took appropriate action under Section 8(1)(n) of the Immigration Act to deem as prohibited immigrants passengers traveling from China or persons who 14 days prior to their arrival in Mauritius had traveled to China. As regards to part C of the question, I wish to inform the House that the facilities for isolation and quarantine at Suyak Hospital were put in place in 2010 and were then designed to accommodate some 60 persons. These facilities have now been upgraded by my ministry to accommodate up to 36 persons. Provisions is also being made for an additional of 20 beds. Mr. Speaker, sir, government is leaving no stone unturned to protect our citizens from such unwarranted risk that may be unleashed by such public health emergency of international concern. Thank you. Mr. Speaker, the Honourable Minister has been very extensive. I take it for granted that additional time will be allocated to us in spirit of fairness. Now, I thank the Minister, but I didn't expect him to be provocative. Let me, there was no need to introduce any element of political partisanship in the reply that he has given. Let me impress upon the Minister and the House that this outbreak has reached a stage of pandemic. And I expect, and I would have expected government to have reacted properly. Can I ask the Minister, why is it that the rapid response team did not react properly? There was a late onset. There was no distribution of N95 masks to personnel working at points of entry, I mean the sea and the airport, no protective dress, no goggles, no dedicated ambulance to fairly suspected cases, the number of patients who do not display signs and symptoms, and besides, there are many carriers who have mixed
at large with the community? Is he aware of this? Has there been proper medical contact of all these people? Because these people have traveled to Mauritius and they have come since almost 3 weeks. And up to 3 weeks, nothing has been done and nothing effective has been done. Mr. Speaker, sir, I think the leader of opposition, I don't know where he's living. We should all be aware that the outbreak started as from 6th January. Can you imagine, as from 20th January, we have already put in place all our mechanism to respond for an emergency service. Mr. Speaker, sir, whenever there is a pandemic outbreak, we have to take 3 measures. One of the measures is screening at the airport, because the virus is not in Mauritius. The virus is abroad. It's the way we contain the disease in Mauritius. This is what we have been doing. We have also been doing the surveillance. Do you know that more than 3,000 passengers have been under surveillance for the last 1 month? This is an ongoing process. This process is being done by the public health authorities. The sanitary division do that. I wish the leader of the opposition travel frequently. You have a yellow card. Before coming to Mauritius in the flight, you have to fill up that yellow card. And that yellow card, you have to write where is your destination in Mauritius, whether you are suffering from any disease. And do you know, if it's in the Public Health Act, if you don't write this properly, you commit an offense. Measures are taken for the screening, proper measures. In the world, we are one of the four countries who have acted proactively. Yeah. It's not only so. Our surveillance is being done at a regular interval. All passengers coming to Mauritius, they have surveillance done on the next day that they reach Mauritius, on the 4th day, on the 8th day, on the 12th day. Besides this, the other surveillance has been done on the 4th. It's in a burden. I wish they give me the opportunity. I'm a new member of the Assembly, and they are senior members. That's the way they are reacting. Mr. Speaker, sir, so we have all the measures. The WHO has already validated our systems of functioning, and they have given us credit. We have been given credit for all the facilities we are making available. I think that answers the question of the leaders of the opposition. Honourable members, ministers, you. So that does it mean that we have to allow him to sleep for another fortnight? The outbreak, when was the outbreak detected? On the 6th. And when did they start to react? On the 20th. On the opposition side, we stated to the nation that measures had to be taken. And we even impressed upon the Prime Minister to set up the high-powered ministerial committee. He failed to do so, and the multi-sectoral committee met only twice, and in the meantime there was delayed response from the rapid response team, with the consequence that there are many people shedding the virus in the community. Mr. Speaker, sir, again, the leader of opposition is a doctor. He should know what is the incubation period. He should know that if a virus, somebody has contracted the virus, it will take only 14 days to have the manifestation. We are abiding to the guidelines of the World Health Organization. No countries in the world has admitted patients as from the 21st. We are the first country who has already put the quarantine measures. I think this is aberrant to see that the leader of opposition is putting such an argument. I'm sorry to say that taking him as a doctor, he should know the public health measures whenever there is an epidemiology. He should know how measures should be taken. He should know also what are the precautionary measures. What is important is screening and surveillance.
And now, at this point of time, not to make politics, not to make demagogy. I believe that they don't have a virus of demagogy, because the virus of demagogy is going to be very effective. And you have seen that in the previous session. And I believe that they act responsibly. We are all here to inform the population, to clarify this is an important issue, and not make a demagogy out of the subject which has an international concern. Mr. Speaker, sir, is the minister aware that he should have been the last person to say that there is compliance to biosafety and biosecurity measures? Do you know, Minister, that he went to the airport, he paid a visit there, and you know, he was not even dressed, he was not even wearing the protective dress. What he did was wearing his Pierre Cardin suit to take the temperature of fish. Is this the job of a minister? Who's the job of a minister? To take the temperature of the infrastructure and to teach us and to tell us what is the intubation phase? Right? Can I ask the minister? Is he aware that since 3 weeks prior to the Lunar Festivals, there are many passengers from China who have landed in Mauritius? There are many passengers who have landed in Mauritius. And can I ask him what has been done in respect of contact tracing and medical surveillance? And yet, nothing. And let me tell him, the way he's acting, can I ask him whether he's the type of person who is acting like an arsonist with a tinderbox on one hand and a box of matches on the other hand? Is this the policy of government? Is this the government which is going to solve this problem? Mr. Speaker, sir, again, I have to make an emphasis that in the airport, whatever be the protective you have to use is a mask. This is the only way. I have to remind the House, the transmission of the virus is by droplets. Droplets means whenever you are speaking, whatever is coming from your mouth, and if anybody else inhale that, this is the protective measure you have to take, and you don't have to wear the gown or any other suits that you need to wear. The protective measures have been taken. You know, you can't make people afraid at the airport and start wearing all types of gowns. In Mauritius, one point has to be noted. We haven't yet had one single case of the coronavirus. There is no case of the coronavirus. And why make this become an alarming situation that, you know, that as from today, people will start creating havoc? This doesn't mean responsible. This doesn't mean that you're acting as per what has been recommended by the WHO organization. My second point, again, Mr. Speaker, sir, we are doing the screening. If ever the leader of opposition is pointing out that passengers has been traveling for the last, you know, for the festival, so they have been traveling, yes, but there is a surveillance. We should have already have so many, you know, travelers having been contracted the virus. Unfortunately, not, because our surveillance system is working. Unfortunately, there has been no passengers having any of the virus. Because we have a proper surveillance, it doesn't mean that tomorrow, for all passengers, there are surveillance. It's not new for us, for the government, to act now when the virus has come as a pandemic, as an epidemic issue. Unfortunate, Minister. Can I come to see the Minister? When a patient is admitted, do we have the reagent to check the virus? Yet, no reagent is available, no PCR. Secondly, as to the ward, to the isolation ward, can the minister tell us whether the isolation ward is a what we call negative pressure accredited ward? And he should know that.
If it is not negative pressure accredited ward, therefore it is not free from germs. And the government has to assume its responsibility, because as far as I know, and I would ask him again, will he be able to inform the House whether the ward is an accredited negative pressure ward? If no, then you have to assume your responsibility. Mr. Speaker, sir, the W guidelines set out for WHO guidelines set out for this. This is a new virus. This is a new virus. In China, the virus was detected on 6th of last month, on 6th of January. So you have to get time to get the reagents. It's a new reagent. And you know that Mauritius has already received the reagent. The test, you have to be updated. The reagent is already available in Mauritius. The test can be done. The test can be done as from today. We are already having the reagents. Now, I will answer the second part of the question, the negative pressure room that should be available. This is in line. Not all countries, none of the countries in the African region is having such a except in Réunion Island. It's going to take time for that. We have the government, the ministry is already working on the project to have the negative pressure room in our hospital. Can I take it for granted that we don't have an accredited negative pressure ward, which means that the risk of infection is very high? And I lay the blame fair and square on this government. And there is coronavirus in this country. And they have to assume their responsibility. Where the answer to see? I'm still waiting for answer to see. Where the answer to see? He's chosen to run away, he's chosen not to reply, and he's chosen as a minister to fail, Mr. Speaker. Mr. Speaker, sir, again, I have to mention here, in the WHO recommendation, there is no imperative need to have an emergency, urgent procurement of a negative pressure accommodation for those suffering from the nCoV virus. It is more important. We have to address our issues more on screening and in screening and in surveillance. Quarantine in USA, India, all that, we don't have negative pressure room. Why should we say that the negative pressure room is so important? At this stage, I still consider it is important to see that the screening is being done and again, the surveillance is done perfectly. Can I ask the minister to see to it that all information is relayed to the public? From the replies it has given, it stands to reason that government has not lived up to the expectation of the people. They took time to set up the response, rapid response team. They took time to set up the high-powered committee. And they have done nothing in an effective manner. Can I impress upon him to make up for time loss, to address the matters in an effective and reliable manner, because it is the interest of the public that we have to serve, and it is the interest of the public that is at stake here, Mr. Speaker, sir. And as far as I see is concerned, again, the public has to know that he has not replied to the question. I again stress on the Honourable Leader of Opposition that I've addressed all the questions and I've put it a point. Already the Ministry has been communicated on a very, broad approach. Public is very much aware what is the situation analysis in Mauritius. All information is being given in a transparent, straightforward, and in an active manner. The Mauritian public is fully aware what has been the status of Mauritius. I again reassure the House,
I again reassure the Mauritian public that we don't have any coronavirus disease in Mauritius. And for that, we have to thank the coordinated approach of the government, of all the stakeholders, of the ministry, the personnel working in the ministry, for doing the work, for doing all whatever is we are doing in order to combat the entry of the virus. Can I impress upon the minister, if he's really caring of medical personnel and paramedic personnel, can he see to it that they have the N95 protective mask, that they have a protective dress and wear, that the reagent is available? That the reagent is not available. And can I ask him to reply to the question C, which he has failed to do so? In so doing, can I reiterate what I've said? This government is putting at risk the health status of the people of the Republic of Mauritius. And I would say it again, this government has failed to live up to the expectation of the nation. Mr. Speaker, sir, again, I reassure the House that we have more than 895 masks in the Ministry of Health. We have already procured 5,000 masks, and we have already ordered 7,000 masks. It's not the first time that we are having an outbreak of an epidemic disease. We know it with Ebola. We know it with dengue. We know it. We have a huge experience, and how should we face it? The country is prepared to face such a situation. The Honorable Minister should know. Recently, we had the Ebola outbreak. Recently, we had the MERS cold. And not far away that we have the SARS virus also. They should know very well. They should know better what is happening. And the personnel is fully equipped. We have all the equipment for them. And I think that the personnel of the Ministry of Health is doing a wonderful job, and they are doing all whatever should be done at the screening and the surveillance level. Thank you. Honourable Leader of the Opposition, before I give you the last question, a few members have expressed the wish to put a few questions. If you allow, please. Can I impress upon government, since this is an issue that is cross-cutting and is of national and international interest, I would have expected government, as a responsible government, to invite members of the opposition to sit in the committee, because this is an issue that cut across political barrier, but they have chosen to make it a partisan issue. Honourable Armand. Thank you, Mr. Speaker, sir. I would like to know from the Minister whether he is aware of the report of the University of Southampton stating that Mauritius is the third country most exposed, receiving airline travellers from 18 high-risk cities in China, and if he has dared to find out how many Mauritians are exposed in China regarding the virus, and if there is any Mauritian that has already contacted the virus in China. Mr. Speaker, sir, I'm fully aware of the report of the Southampton University classifying Mauritius as the third most vulnerable country in Africa This is obviously will be vulnerable because we have an open economy. We have flights everywhere from the world. The passengers traveling coming to Mauritius and going, it's a huge volume. Obviously, we don't need any study to know that. And they should congratulate us. Even though we are among the most vulnerable countries, yet we have not a single case of coronavirus in Mauritius. I also have to add here, all the measures have been taken, especially to screen passengers at the airport and the port. Now, I also have to address that I'll have to table this document to see what are the different equipments for the personnel that we do have in the Ministry of Health. Thank you. Honorable Amiamia.
question was about how many Mauritian is abroad in China, and if ever there's any Mauritian contaminated. Can you have an answer to my question? Please resume your seat. Yeah. Honorable Amia Mia. Thank you, Mr. Speaker. So if I can take this question, can the Honorable Minister give us an update on Mauritian national living in China, and more precisely in Wuhan, what is the situation for these Mauritian nationals? Thank you. Now, about the Mauritian living in China, we have around 180. This has been informed by my colleague, Minister of Foreign Affairs. Now, about the Mauritian in Wuhan, there was 20 Mauritians in Wuhan. Out of them, 3 were already in Mauritius. 12 Mauritians have decided to come to Mauritius. Arrangements have been made through the embassy of France, and those Mauritians, 12 Mauritians are already in France, where they are going through the quarantine, and then they'll be coming back to Mauritius in 2 weeks. 2 weeks, hopefully. Honourable Bagwan. Oh, Mr. Speaker, can I know from the Honourable Minister what are the special security measures taken at the Souillac Hospital, which is now become a centre for government, especially in terms of security and equipment? We have been made that there are new equipment, but also the use of Souillac Hospital as an eye hospital. It was being used as an eye hospital. What are the new measures taken for patients which are not going to Souillac Hospital now, and especially the security measures for the personnel and the people of the region in Souillac? Mr. Speaker, sir, Souillac Hospital has been validated to accommodate patients suffering from any contagious disease from long time back. 2014, the hospital was already validated by the WHO to have all the precautions and equipments needed to face any epidemic disease. Now, the Souillac Hospital, there is one floor where there are 16 beds. Those 16 beds are meant for isolation. Isolation means for treatment as well. Out of them, there are for acute resuscitative apparatus for 4 patients. Now, we have additional wards. As the situation is going to be presented, we are going to accommodate other wards for accommodating patients. Besides this, if ever the need to be to convert the whole hospital as an isolation quarantine hospital, the ministry will move to do so. I have to remind members that in such a situation, what is more important, how you isolate patients. Not everybody is going to need acute resuscitative measures. But if one day we have a patient, we have to get appropriate treatment. We have to ensure that patients are safe. There is no moving out of the patient, and there is that those patients are fully isolated. This is the most important thing, and this has been done, is being done at Souillac Hospital. Last question, leader of the version. Can I ask the Honorable Minister to escalate and step up biosecurity and biosafety measures? Because as matters stand, Mauritius has been categorized as a very high-risk country. And we know very well also that the outbreak has now become pandemic. Yes. Mauritius, the government has taken all the measures. You could remind that yesterday the Prime Minister has an interministerial, a high-level committee where important measures have been taken to ensure the safety of the Mauritius population. I reassure again that government is taking all measures to screen passengers who might be or suspected to have all the virus. And I think the government is doing a very good job, and all measures are being implemented in a widespread intention. Time is over. Motion.
Mr. Speaker, sir, I move that all the business on today's order paper be exempted from the provisions of paragraphs 2 of Standing Order 10. Seconded. The question is that all the business on today's order paper be exempted from the provisions of paragraph 2 of Standing Order 10. Those in favour say aye, those against say no. Aye. The ayes have it. Statements by ministers, none. Motion. Mr. Speaker, sir, I beg to move a motion standing in my name on the order paper, namely that an address be presented to the President of the Republic of Mauritius in the following terms. We, the members of the Mauritius National Assembly, here assembled, beg leave to offer our thanks to the President of the Republic of Mauritius for the presentation of a government program 2020-2024 on the occasion of the opening of the first session of the 7th National Assembly. Mr. Speaker, sir, I would like to first of all congratulate you on your election as Speaker of the National Assembly. The Speaker has the responsibility to maintain order and to ensure fairness during debates. It will be your impartiality during the 5 years to come that will ensure and determine how constructive the debates of this House will be. I have no doubt that the reach of your experience and your sense of fairness will luster this House. Des débats, Monsieur le Président, que nous l'espérons, se feront dans l'esprit, dans le respect de l'esprit de notre rôle de parlementaire, qui est de débattre et de légiférer pour la construction d'une nation mauricienne et d'un pays arc-en-ciel. I wish to sincerely thank the Honorable Prime Minister, Leader of the House, Honorable Pravin Kumar Jagnauth, and the members of the parliamentary majority for having entrusted to me the presentation of a motion of thanks in response of a presidential address. It is indeed a great honor bestowed on me. C'est pour ça, Monsieur le Président, si vous me permettez, je commencerai de façon peu conventionnelle. Je voudrais prendre quelques minutes, si vous me le permettez, pour expliquer mon engagement, mon parcours et les choix que j'ai faits et qui m'ont amené aujourd'hui à me tenir debout devant vous en tant que membre de l'Alliance mauricienne. When I look back, Mr. Speaker, sir, I think that my journey has been fueled by this one quotation by Voltaire that I've learned at a very early age in my French literature classes. It is not our condition, Mr. Speaker, but the caliber of our soul that makes us happy. Mr. Speaker, this quotation is everywhere to be found in my life, be it on my About Me section on Facebook, on my WhatsApp status, on a piece of paper in my purse. Why is it so, you may ask? Simply because every day I want to be reminded that what makes me happy as a human being, as a politician, is what I do to nourish my soul. Je ne suis pas parfaite, Monsieur le Président. Je ne recherche pas à l'être. Croyez-moi. Je célèbre cette imperfection chaque jour que Dieu fait. La vie serait tellement ennuyeuse si j'étais parfaite et que je ne commettais pas d'erreur. Imaginez-vous, je n'apprendrais jamais. Si c'était le cas, je serais incapable de compassion, Monsieur le Président. Les gens qui sont parfaits sont souvent incapables de compassion. Comment comprendre ce qu'on ne connaît pas? C'est mon imperfection qui me permet aujourd'hui de faire preuve d'humanité. Je ne veux pas être cette personne qui monte sur ses grands chevaux et qui se permet de traiter ses adversaires de pourriture ou qui ose même juger ses adversaires. Je pense profondément qu'être parfait, c'est une maladie de rigidité, une maladie qui s'approche de la mégalomanie. N'oublions pas qu'être parfait veut aussi dire qu'on ne fait pas grand-chose dans la vie, puisque nous rejetons tous ceux
qui souffrent, qui sont différents, parce que nous souffrons nous-mêmes d'un complexe de supériorité. Comme l'enseigne l'essence de la pensée politique de Saint-Augustin, qui lui-même se voulait en contradiction avec les penseurs de la Grèce antique, qui, eux, disaient que l'homme d'État devait être un homme de virtuosité exceptionnelle, qu'il devait être d'une rigidité exceptionnelle. Saint-Augustin, lui, pensait bien différemment. Il pensait que c'est notre compassion et c'est notre condition humaine qui nous permet de gérer à bien la cité. Je me nourris chaque jour de mes rencontres, discussions et échanges avec celles et ceux qui pensent autrement et qui font des choix différents. Je les respecte, parce que je sais que sur Terre, nos cheminements ne seront pas les mêmes, puisque, comme me l'a enseigné l'honorable Ganou, « Each and every one of us has his own soul agenda ». Chacun d'entre nous avons notre soul agenda, Monsieur le Président. Mon parcours et mon engagement depuis l'âge de 13 ans m'ont poussé à faire des choix, comme je vous l'ai dit, et j'ai intégré l'Alliance Mauricienne. Pendant que d'autres jeunes voulaient découvrir le monde et s'amuser, en troisième année d'université, j'ai fait une plaidoyer à ma mère pour qu'elle me permette d'intégrer un groupe de jeunes universitaires qui vont en Inde, justement, pour se confronter à la pauvreté et faire du travail social, ce qu'on appelle de l'humanitaire. Je serai toujours reconnaissante de cette expérience. Première vacances hors du pays, sans toilettes, sans salle de bain, sans électricité, à vivre avec des villageois, tout en essayant de les enseigner l'anglais. Beaucoup se sont découragés, mais pour moi, ce fut une révélation. Ce genre d'expérience m'ont permis de comprendre que le bonheur ne se trouve pas dans les choses, mais dans nos expériences, notre vécu et nos relations humaines. Mais ce sont mes valeurs, nos valeurs, notre idéal de ce que doit être notre pays et notre société qui devrait guider nos choix en tant que politiciens, Monsieur le Président. Et non pas notre intérêt personnel ou même notre mépris de nos adversaires. C'est pour ça que je fais un appel à nos adversaires. Et quand je parle d'adversaires, je ne parle pas que de l'opposition parlementaire. Je parle aussi de cette opposition extra-parlementaire, pour qu'ils reviennent à de meilleurs sentiments et de s'engager dans une opposition plus constructive. Monsieur le Président, la vie est une grande opportunité. Chaque jour que Dieu fait, c'est une opportunité de faire ce qui est juste. Depuis très jeune, j'ai suivi un idéal tout en recevant des coups terribles, mais cela ne m'a jamais empêché de continuer mon chemin. Une opposition, et comme je vous le répète, je parle aussi d'une opposition extra-parlementaire, qui se contente de critiquer ce qui est invisible et loin d'être une opposition constructive. C'est une opposition, je dirais, stérile. Je dirais même une opposition qui s'enterre dans des contradictions tellement profondes qu'elle souffre d'incohérence. Un signe d'un mal-être profond, j'imagine, Monsieur le Président. Un exemple, boycotter un discours-programme, puisqu'on dit que les résultats n'étaient pas valides. Mais comment se fait-il qu'on boycotte un discours-programme, mais qu'on continue à bénéficier des privilèges parlementaires, alors qu'on estime que les élections n'étaient pas valides ? Tout en dénonçant les privilèges des membres de la majorité. Cela me fait réfléchir, Monsieur le Président. Pendant ce temps, nous, les membres du gouvernement, nous travaillons. On ne recule devant rien pour faire avancer les choses. Mon expérience dans l'humanitaire en Éthiopie a été un tournant dans ma détermination de lutter pour éliminer toute forme de violence à l'égard des femmes et notamment des jeunes filles. J'ai été confrontée à la vulnérabilité féminine à un niveau inimaginable. Je travaillais pour une ONG qui œuvrait dans le domaine des droits de l'enfant. J'étais confrontée au quotidien à des jeunes filles qui ont été kidnappées, violées, vendues, abusées, mais aussi rejetées par leur famille parce qu'elles ont été violées. Des jeunes filles qui souffraient de fistulas parce qu'elles ont accouché beaucoup trop jeunes et qu'elles n'avaient pas droit au suivi médical approprié. La tâche n'était pas facile, mais chaque jour qui passait, chaque cas où je contribuais, même de façon minime, à résoudre un problème ou à soulager une famille, me remplissait de joie. Monsieur le Président, cet engagement a
a suivi son parcours, a grandi, a changé de stratégie et aujourd'hui, elle me mène dans l'Assemblée nationale. Un choix que j'assume et que je considère comme le bon. Il est vrai que l'honorable Ganou, moi-même et d'autres membres de notre parti étaient dans l'opposition. En tant que tel, nous faisions notre travail, qui était de proposer constructivement des solutions à des problèmes qu'on considérait étant majeurs. Personnellement, je me suis beaucoup engagée pour les femmes de victimes de violences domestiques et j'ai formulé plusieurs critiques à l'encontre du système de protection order. Une semaine après certaines critiques que nous avions faites, l'honorable Pravin Jagnauth et son équipe avaient mis sur pied un comité interministériel, justement pour étudier la question et revoir le système. Aujourd'hui, dans le programme du gouvernement, cette question est « high on the policy agenda ». Je cite section 136, Monsieur le Président. « Government will be relentless in the fight against all kinds of violence, including domestic violence ». Et cela se concrétise par la section 137. A high-level committee chaired by the Prime Minister himself will formulate a new strategy to eliminate gender-based violence. The legal framework will be strengthened and a new national sensitized campaign implemented. Monsieur le Président, la Tania Diol qui était dans l'opposition l'année dernière ne peut être que satisfaite de cette évolution sur la question. Je voudrais même faire quelques propositions pour qu'on introduise dans le nouveau legal framework le concept de féminicide, comme l'a déjà fait d'autres pays avant. Il faut aussi légiférer, je pense, et je crois fermement, pour que le duty to report devienne une provision du Domestic Violence Act. L'autre section qui, aujourd'hui, me satisfait dans le programme du gouvernement est la section 138. Victims of domestic violence and their dependents will be provided with access to a wider range of help support, including shelters, professional counseling and legal assistance. Section 138 me tient particulièrement à cœur, Monsieur le Président. N'oublions pas que l'année dernière, l'État mauricien a reçu énormément de critiques du comité CEDAW pour avoir été incapable d'investir comme il le fallait dans les infrastructures et autres services pour permettre aux victimes de violences domestiques de sortir de leur mutisme et d'avoir l'aide appropriée face à un drame qu'elles subissent au quotidien. Monsieur le Président, je suis persuadée, je sais que ce gouvernement a la ferme intention de pallier à des décennies de manquements dans ce domaine. Je fais confiance au Premier ministre et je sais que cette promesse deviendra une réalité beaucoup plus vite qu'on peut l'imaginer. C'est pour cela que la population lui a offert un autre mandat après tout. Personne ne peut nier le sérieux du Premier ministre dans son travail et son engagement pour la cause féminine. Monsieur le Président, l'autre point sur lequel j'étais très à cheval en tant que membre de l'opposition et l'unité nationale, l'importance de reconnaître notre histoire, c'est-à-dire d'honorer la mémoire de nos ancêtres. Monsieur le Président, la Tania Diol qui marchait au comité du 1er février du diocèse l'année dernière pour que le musée intercontinental de l'esclavage devienne une réalité, ne peut pas être plus enchantée quand on voit les avancées sur ce dossier. Une entité privée a été mise sur pied pour la gestion et la conceptualisation de ce musée. Le soft launch se fera incessamment. Notre invité d'honneur pour la commémoration du 185e anniversaire de l'abolition de l'esclavage, le ministre des Arts et de la Culture, Abdoulaye Diop, a dit une chose au sujet de notre ministre des Arts et de la Culture qui m'a frappée et en même temps réconfortée pour l'avenir. Il a dit que c'est le ministre des Arts et de la Culture qui est l'agent de la cohésion sociale. Je ne peux pas être plus d'accord avec son Excellence Diop. Et on ne peut pas imaginer mieux que notre collègue, l'honorable Avinash Tilak, pour remplir cette lourde responsabilité. Il n'hésite pas à faire appel à ses collègues, l'honorable Sandra Mayotte ou moi-même, pour l'organisation du 185e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Il nous écoute, il agit efficacement, il fait l'effort de comprendre. N'est-ce pas l'attitude que nous recherchons chez un ministre qui a la lourde responsabilité de gérer notre diversité sociale et culturelle?
N'oublions jamais, Monsieur le Président, qu'on dit que le monde a besoin de plus d'artistes et de poètes. J'affirme que nous en avons besoin. On oublie trop souvent que les émotions que nous véhiculons en tant que peuple ont besoin d'une forme d'expression. C'est cette expression qui nous permet d'avancer, de réfléchir, de comprendre ce qu'on ressent, de rire de nos défauts et au final d'avancer. Ouvrir la voie à l'expression de nos cultures, nos souffrances, nos états d'âme et nos frustrations fera de nous un grand peuple. Une société qui a l'opportunité de se confronter à ses contradictions à travers l'art est une société qui cultive son humanité et la tolérance. Honorable Avinash Tilak, nous comptons sur vous et votre sensibilité pour aider notre société à avancer et vous pouvez toujours compter sur nous. Comme les jeunes Mauriciens le disent, toujours nous pela. Monsieur le Président, si vous me permettez, j'irai sur un sujet plus sérieux idéologiquement et profond, quoique les œufs actuels est un sujet très sérieux. Monsieur le Président, je vous parlais d'une opposition stérile plutôt. Une opposition qui souffre d'une maladie profonde. Je pense avoir compris le source de ce mal-être. Je soupçonne que c'est une question de positionnement idéologique. Que ce soit le plan Marshall ou les différents rapports de la Banque mondiale sur la pauvreté, ils font tous référence au Household Budget Survey qui a été fait par Statistique Mauritius en 2012. Ce survey donne une indication numérique et non qualitative de la situation de la pauvreté à Maurice. Il est important de garder ça en tête. Donc, en 2012, il y avait 9,8% de la population qui vivait sur moins, avec un revenu de moins que 5 652 roupies par mois. Quand on parle de pauvreté à Maurice, Monsieur le Président, si on parle de absolute poverty, on parle de 10 000 maisons, 10 000 households, comme on dit, ou 37 000 personnes. Si on parle de pauvreté absolue et relative, on parle de 33 600 maisons, qui veut dire 122 700 individus. Monsieur le Président, ce chiffre ne serait pas le même si nous n'avions pas un état de providence. En anglais, ce qu'on appelle le welfare state. Comme on dit, tout ce qui est social protection, free health services, education and free transport, selon la Banque mondiale et les études qui ont été faites sur ce sujet, ont joué un rôle important à ramener le chiffre de la pauvreté beaucoup plus bas qu'il ne devrait être. Par exemple, according to the World Bank Reports on Inequality, et je me réfère au rapport de 2018, without these services, poverty would have soared to more than three times its level. In 2012, the proportion of poor households would have been 30% instead of 9.4%. Ce qui veut dire que c'est les services sociaux, c'est notre état-providence, c'est notre welfare state qui fait que le taux de pauvreté à Maurice reste sous contrôle. Ce sont des chiffres que j'ai moi-même cités en tant que membre de l'opposition extra-parlementaire lors de plusieurs conférences de presse. Je me suis engagée dans plusieurs plaidoyers pour que le gouvernement agisse. Une situation qui me préoccupait particulièrement était la vulnérabilité des femmes cleaners et le chômage parmi les jeunes. Trois mesures fortes, Monsieur le Président, ont été introduites par le gouvernement précédent entre 2017 et 2019. Ces mesures ont permis d'attaquer les problèmes d'inégalité par la régularisation des femmes, de la situation des femmes cleaners et d'autres métiers précaires par le National Remuneration Board, la revue du National Remuneration Board, mais aussi à travers ce qu'on appelle des income transfers, qui sont le negative income tax et l'augmentation de la pension de vieillesse. Ce sont ce qu'on appelle les income transfers qui aident et continueront à aider à faire reculer l'écart entre les riches et les pauvres. Pour citer la Banque mondiale, c'est ce qu'on appelle les social safety net programs, qui, si on veut, dans des termes plus simples, ce sont les pensions et autres mesures gouvernementales pour transférer l'argent à la population. Social safety net programs create opportunities, empower families to invest in human capital, and break the cycle of intergenerational poverty, and in many cases, create resilience so that families can manage risk, cope with shocks, and continue to invest
in their children's education. Un exemple concret de ce genre de politique qu'on appelle les social safety net programs, c'est la pension de vieillesse. Monsieur le Président, depuis 2015, je faisais appel au gouvernement pour que l'humain soit au centre des politiques publiques, mais aussi de notre développement. Vous savez, toute personne qui prône ce genre de politique est normalement inspirée par les écrits d'auteurs tels que Or Mathiasen, qui parle d'oublier les indicateurs économiques, mais de se focaliser sur le développement humain. Il est un pionnier, un révolutionnaire, il a eu un prix Nobel. Il a le mérite d'avoir influencé les chefs d'État tels que Jacinda Ardern, aujourd'hui qui prône que le développement humain doit être au centre de toutes les politiques publiques. Certains chez nous citent ces grandes idées et concepts sans connaître leurs origines ou même l'essence de leur philosophie. Je pense que ça veut simplement dire que ces idées ont fait leur chemin et qu'aujourd'hui, beaucoup sont sensibilisés quant à la nécessité pour les gouvernements d'encadrer le développement afin de cesser l'exploitation de nos populations. Monsieur le Président, ceci démontre, les mesures que j'ai mentionnées plus tôt, démontrent que le gouvernement, malgré tout, que la population, malgré tout, a affaire à un gouvernement qui fait du bien-être et du confort de la population passer avant les indicateurs économiques. Il y a eu beaucoup de scepticisme quant à ces mesures sociales. Et aujourd'hui, en lisant le cabinet paper vendredi, j'apprends que le second report of the National Wage Consultative Council on the impact of the introduction of national minimum wage fait état du fait qu'à aucun moment, par exemple, le minimum wage a impacté l'inflation. Donc, quelque part, ça démontre que adopter les mesures sociales, faire l'humain passer avant tout, n'est pas forcément contre-productif ou ne va pas forcément contre l'économie. Tout ça dépend de la façon dont on gère les choses. Et en effet, la cerise sur le gâteau a été l'introduction du Workers' Rights Bill pour notre collègue l'honorable Sudesh Kalichan, qui, quand l'honorable Ganou, moi-même et les autres membres du parti étaient dans l'opposition, avons applaudi cette mesure. Alors que nos seniors citizens bénéficient d'une part plus juste de la richesse qu'ils ont contribué eux-mêmes à créer à travers l'augmentation de la pension de vieillesse, les jeunes de notre pays peuvent retrouver le goût du travail pour faire avancer notre société et notre économie. Le Workers' Rights Bill redonne sa dignité aux travailleurs. Le minimum wage redonne sa dignité aux travailleurs. Gardons en tête, Monsieur le Président, que les travailleurs, c'est nous les jeunes, après tout. Je pense que cette tournure foncièrement socialiste que le gouvernement a pris, je pense que c'est ça qui fait que l'opposition se retrouve en crise identitaire idéologique. Comment, quand est-ce qu'on se dit un parti qui milite pour les droits des travailleurs opposé à la liste de politiques que j'ai ouvertement listée? Surtout quand on a une histoire qui est née dans la lutte des travailleurs et qu'on emmène une loi du travail totalement opposée à ce que je viens de vous décrire, Monsieur le Président. Ce qui fait, on ne représente plus les travailleurs. Mais est-ce que ouvertement, on peut afficher son positionnement? Non. N'oubliez pas que l'identité de ces partis vient de cette lutte. Donc, je comprends la contradiction dont souffre l'opposition. Et je vous dis, comme je vous l'ai dit plus tôt, je ne parle pas que de partis politiques. Je parle aussi de ce contre-pouvoir qui a longtemps oublié c'est quoi un contre-pouvoir et qui est devenu une opposition. Je pense qu'il y a un manque d'inspiration, Monsieur le Président. Malheureusement, nous, les membres de la majorité, nous subirons le dénigrement personnel, comme je le disais plus tôt, des critiques invisibles, des critiques sur ce qui est invisible, puisqu'il sera difficile de critiquer ce qui est visible. Si vous me permettez, Monsieur le Président, je vais utiliser une expression bien de chez nous pour illustrer ce que je constate et observe depuis que je suis au gouvernement. Fort heureusement pour la population mauricienne, nous ne sommes pas des l'homme et femmes des S, qui disent faire conférence de presse, comme le dit si bien une personne chère à mon cœur. Nous sommes dans l'action et dans le concret. Nous avançons de jour en jour. Nous connaissons nos responsabilités et nous les assumons. Monsieur le Président, si vous me permettez, je parlerai de l'environnement. En ce qui concerne l'environnement, je ne peux pas être plus enchantée
que quand je vois le CIE avec lequel l'honorable Kavi Ramano gère ce dossier. Je constate et j'observe que l'honorable Ramano est un convaincu. Comme il le dit souvent, l'écologie et la préservation de notre environnement sont des valeurs que nous devons inculquer à notre population, des valeurs que nous devons vivre au quotidien. Mon éveil écologique ne date pas d'hier ou même de cet après-midi, Monsieur le Président. Ce n'est pas la montée du mouvement écologique parmi les jeunes européens qui m'inspire. Mon éveil écologique a débuté sur les bancs de l'université pendant mes cours de philosophie politique. Deux auteurs m'ont manqué, le philosophe Rabindranath Tagore et le penseur politique Julius Nyerere. Ces deux hommes, dans leurs pensées et écrits, ont donné une dimension incontournable à la nature. En fait, ils nous font comprendre que le développement intégral de l'être humain ne peut se dissocier de la nature et du travail de la terre. Nous ne réalisons pas que notre bien-être est dépendant d'un écosystème. Cet écosystème nous permet de nous développer au maximum. Si nous commençons à menacer les différentes composantes de cet écosystème, nous menaçons notre propre survie, Monsieur le Président. C'est pour cela que Rabindranath Tagore reste un philosophe cher à mon cœur. Il m'a appris à travers ses écrits à rester connecté avec ma sensibilité humaine. Et grâce à lui, j'ai compris que mon confort spirituel et intellectuel dépend de la préservation de la nature. To quote Rabindranath Tagore in Gitanjali, "The same stream of life that runs through my veins night and day runs through the world and dances in rhythmic measures." Cette ligne nous rappelle le fait que nous faisons partie de cet écosystème. Comme je vous disais, le monde a besoin de plus de poètes, parce que les poètes nous font voir les choses différemment et nous ramènent à notre sensibilité humaine. C'est avec plaisir, Monsieur le Président, que je constate qu'à la section 32 du programme du gouvernement, cet aspect de l'environnement a été pris en considération. Je cite, section 32, « Government will further upgrade primary school infrastructure to accommodate additional art classes, playground, and a green and endemic corner to inculcate in our children the culture of conservation and protection of the environment. » Monsieur le Président, il y a de quoi être alarmé quand on voit l'ampleur que la menace du changement climatique prend. Cet éveil écologique s'est transformé au fil du temps en inquiétude. Une inquiétude qui demande des mesures fortes, mais aussi un changement de mentalité drastique. Cette nouvelle décennie, qui débute en 2020, sera le témoin de plusieurs bouleversements au niveau international. L'appel du mouvement international des jeunes environnementalistes qui se préoccupent de leur futur mené par Greta Thunberg, mais aussi la tenue de la COP26, alors que lors de la COP25, les gouvernements ont été incapables de trouver un consensus sur plusieurs domaines, incluant les émissions de gaz à effet de serre, alors que les recommandations d'experts, si on implémentait les recommandations d'experts, on serait toujours à 38% de trop d'émissions de gaz. Et maintenant, si on n'applique pas les recommandations d'experts, imaginez ce qui va arriver, Monsieur le Président. N'oublions pas aussi qu'il y a un retard et que l'utilisation des fossiles fuels ne cesse d'augmenter, et que l'adoption des énergies renouvelables est en retard. Fort heureusement, le programme du gouvernement prévoit déjà que « Government will implement measures to protect our oceans, marine resources and our beaches ». Dans le programme du gouvernement, la section 162 à 166 prévoit la protection de nos ressources océaniques. Cependant, mais pas que des ressources océaniques, je viendrai sur les énergies renouvelables très bien, incessamment. Cependant, il nous faut rester connectés et suivre les débats et considérations qui seront soulevées lors du dialogue scientifique qui se tiendra en Allemagne en juin 2020 sur les mesures que nous devrons prendre pour la mitigation et l'adaptation du changement climatique. Plus que jamais, les différents techniciens des ministères devront assumer leurs responsabilités face aux nouvelles données qui devront être prises en considération dans notre stratégie de développement, comme le stipule clairement le programme du gouvernement. Government,
Government is committed, section 142, government is committed to adopting a responsible and environmentally sustainable development policy. Le gouvernement prévoit aussi de donner la chance à ce courant grandissant de jeunes qui ont pris conscience de l'importance de participer à la vie publique et de s'engager pour notre avenir. La section 159 du programme prévoit pour un National Youth Council, Environment Council sous le leadership du Premier ministre qui permettra et donnera l'opportunité à ces jeunes qui ont compris l'importance de la participation à la vie publique. Je ne veux surtout pas manquer l'investissement du gouvernement dans l'utilisation des énergies propres, comme on dit, clean energies. Section 145 à 148 fait état des différentes mesures qui ont été prises pour promouvoir l'énergie renouvelable. Et je trouve la section 148 particulièrement intéressante, Monsieur le Président. Government will further promote the setting up of photovoltaic system for households, SMEs, cooperatives, NGOs, small planters and breeders. Ce que ça démontre, c'est que l'honorable député Prime Minister a compris que la seule façon pour que l'énergie renouvelable gagne du terrain, c'est que les gens l'adoptent, qu'elle fasse partie du quotidien de la population. Et ce sont ce genre d'initiatives qui sont louables. On peut légiférer autant qu'on veut. Mais tant que l'environnement ne devient pas une valeur qu'on vit au quotidien, les choses n'avanceront pas. C'est pour ça que la section 148 est particulièrement intéressante et j'ai hâte de voir son évolution et l'impact qu'elle aura sur notre société. Le ministre de l'Environnement a pris l'engagement de divulguer le plan directeur de son ministère quant à la stratégie environnementale à partir de février. Nous attendons tous avec impatience, alors que le ministre de l'Énergie a déjà commencé à agir. Nous voulons, avec impatience, voir le plan directeur pour les nouvelles bases qui seront jetées pour une politique environnementale meilleure. Monsieur le Président, si vous me permettez, je changerai de sujet drastiquement et je veux parler de la situation de la drogue à Maurice. Je ne peux pas continuer à observer ce qui se passe sans en parler, Monsieur le Président. Les jeunes qui sont touchés aujourd'hui par le problème de la drogue sont mes contemporains. Sont les jeunes avec qui je vais devoir faire pour les décisions futures. C'est la main-d'œuvre de demain. Chaque jour qui passe, Monsieur le Président, où on n'agit pas, c'est un jour de perdu pour notre pays et notre avenir. Le gouvernement a déjà fait beaucoup quant à la lutte contre la drogue. Beaucoup d'investissements ont été faits jusqu'à l'heure. Mais je fais un appel pour que la société civile et le gouvernement travaillent ensemble. Je ne veux plus citer de chiffres. En tant que PPS, je suis alarmée, désormais, pour ce que je vois chaque jour dans les circonscriptions où je véhicule. Le problème de drogue doit être résolu. On ne peut pas le faire totalement, mais il faut faire reculer la problématique de drogue. Les jeunes sont l'avenir de notre pays et nous ne pouvons pas rester insensibles à cette souffrance grandissante. Cependant, je suis consciente que ce problème gagne du terrain dans le monde entier et que ça ne touche pas que l'île Maurice. Mais c'est à nous, nous sommes suffisamment petits pour faire preuve d'innovation et s'assurer que nos jeunes soient bien dans leur peau, suffisamment bien pour qu'ils ne se détruisent pas avec la drogue. C'est pour ça que je fais un appel au gouvernement, à la population et aux ONG. Il faut agir vite. Monsieur le Président, avant de conclure, je voudrais répondre à certaines critiques que l'honorable Ganou, l'honorable Ramano et moi-même avons reçu au sujet du métro express. Quoi vous dire? À ce qu'il paraît, nous étions contre le projet du métro express. J'étais très surprise de l'apprendre. Si je me souviens bien, j'étais la première à dire lors de l'élection partielle de 2017 que la population n'est pas contre le métro express. J'ai revu les déclarations, et je pensais même pas que c'était nécessaire, de l'honorable Ganou, l'honorable Ramano. La question qui a souvent été soulevée, c'était autour de la planification autour du métro. Cela n'a jamais été une opposition au métro. Et c'est là le problème, Monsieur le Président. Si on ne fait plus la différence entre une suggestion constructive, une analyse et une suggestion, et une opposition. Donc à chaque mot qu'on va dire pour améliorer un système, si ce sera perçu comme une opposition, je pense qu'on est mal parti.
On a 5 ans à aller, à continuer ensemble. Donc, en toute âme et conscience, je sais très bien que quand on a fait la manifestation sous le leadership du leader de l'opposition, à Quatre-Bornes, à aucun moment, que ce soit l'honorable Ovin Boulel, l'honorable Bramano ou moi-même, avions manifesté contre le métro express. Nous faisions un appel à l'honorable Bouddha pour qu'il vienne à Quatre-Bornes et vienne nous expliquer le projet. C'est ça la nuance. Mais quoi vous dire ? Cette opposition, qui se voulait un contre-pouvoir à une époque, aujourd'hui, ne semble même pas intéressée à relater avec véracité les propos, l'essence même de nos positions, nous les politiciens. Il nous faudra, avec le temps, s'y habituer. Mais cela reste très malhonnête. Pour conclure, Monsieur le Président, je voudrais faire un appel. Nous retrouvons dans une situation aujourd'hui où l'opposition ne se contente plus d'être parlementaire. J'entends des commentaires, j'ai lu des commentaires tels que le discours programme était décousu. D'autres pensent que c'était réchauffé. D'autres ne semblent pas comprendre la vision derrière. Quoi vous dire ? Si vous me permettez, je vais ajouter un peu de culture pop à notre assemblée. Ce n'est pas pour niveler le niveau vers le bas, mais je voudrais citer Rihanna, une des chansons de Rihanna, qui permettra de mieux comprendre c'est quoi les social safety nets qui ont été mis sur place. Elle dit « When the world has dealt its cards, if the hand is hard, together we'll mend your heart. » C'est ça qu'on veut dire par « ensemble, tout possible. » Because... When the sun shines, we will shine together. C'est ça l'inclusivité du programme, Monsieur le Président. Told you I'll be here forever, said I'll always be your friend, took an oath, I'm sticking it out to the end, now that it's raining more than ever, know that you will still have each other, you can stand under my umbrella. Et le umbrella, c'est quoi? C'est ce discours programme qui a une série de mesures qui a pour but de protéger le citoyen moyen de la population mauricienne face à tous les risques qu'il encourt dans sa vie chaque jour. Comme je vous l'ai dit, tout n'est pas parfait, mais au moins, nous assumons nos responsabilités. Monsieur, Mr. Speaker, sir, quand je vois la tournure que prennent les choses, je veux dire à la population, n'hésitez pas, venez nous voir. Quand l'opposition n'est plus constructive, nous sommes toujours intéressés à savoir ce que vous pensez. Comme je l'ai dit, chaque jour que vous nous parlez, vous faites de nous de meilleurs êtres humains. L'interaction est nécessaire. Si vos représentants vous faillissent, nous sommes là. Nous sommes là et nous sommes les députés de la République de Maurice. Et quand je vois la tournure que prennent les choses, je ne peux m'empêcher de penser à Michelle Obama. Et la fameuse phrase qu'elle a sortie quand son mari faisait face aux pires bassesses qui existent en politique. « When they go low, we go high. » I feel that for the next 5 years, we will be flying very high, Mr. Speaker, sir, very high. Et je saisis cette occasion, avant de conclure, pour présenter mes sympathies à la République de Chine face à ce drame qui les afflige en ce moment. Nous sommes en toute solidarité avec eux. On prie pour eux, on espère que les choses iront pour le mieux, mais en ce qui me concerne, en tant que citoyenne mauricienne, je me sens protégée par l'honorable ministre Jagatpal, qui s'assure que nous ne souffrons pas que cette tragédie ne prendra pas la même ampleur. J'ai terminé. Merci, Monsieur le Président. Honorable David. Mr. Speaker, sir, I would like first of all to congratulate the honorable Mrs. Tanya Diol for her maiden speech. Given the time, Mr. Speaker, sir, that we are close to one, may I humbly suggest that we move my intervention after the lunch break? I think I could accept that. So I suspend for 1 hour and a half.